Pantong vient me trouver inquiet. Sa famille vient de recevoir des menaces. Besok pagi datang menerima utang. Kalau tidak bayar, dilunasi semua utang 4 juta itu, tidak dibunuhnya. Sebab terlalu sudah lama utang itu, bilang dia. En milieu de journée, un moteur se fait entendre. Le toqué arrive. Orang Rimba signifie en indonésien les hommes de la forêt. Ils y vivent depuis toujours, entretenant des contacts avec des villages de l'extérieur pour échanger des vivres. Pantong a 40 ans. Il vit dans la forêt de l'ouest de Sumatra. Il a eu 7 enfants, mais 5 d'entre eux sont morts, atteints de dysenterie et de paludisme. Il est le frère du chef de clan, Patampong, mais son frère est maintenant trop âgé pour marcher de longues distances, et Pantong doit souvent prendre la responsabilité du groupe. Aujourd'hui, il a emmené la moitié de sa famille à la lisière de la forêt, marchant plus de 10 km pour tenter de se procurer des vivres. Lui et sa famille ont rendez-vous avec un homme qu'ils appellent un toqué, un homme qui fait le lien entre eux et le monde extérieur. L'attente va durer 5 jours alors que les orangs rimba n'ont plus de riz. C'est durant cette attente que Pantong va témoigner des difficultés de son peuple. Kalau sekarang mungkin susah. Hutannya sudah gundul. Dulu mencari kehidupan jarenang. Yang kedua damar. Yang ketiga rotan. Selain itu hidup kami suku dalam sudah sulit. Kini susah. Mikir itu. Mencari makan tidak dapat, cari rokok tidak dapat, minum kopi tidak dapat. Di mana carinya? Les orangs rimba collectent le jornang, fruit d'une liane, apparenté au rotin, dont ils extraient la pulpe.
Elle est ensuite utilisée dans la création de colorants. Le jornang est depuis toujours la principale richesse des orangs rimba, qui escaladent parfois des arbres de plus de 20 mètres pour le collecter et ensuite le troquer contre du riz. Le jornang se vend très cher, mais aujourd'hui, avec la forêt, le jornang disparaît. Sekarang sudah sulit cari jornang. Gimana? Sampai berminggu-minggu, hari-harian tidak makan. Anak yang menangis-nangis minta makan, tidak dapat cari makan. Bagaimana? Sulit sekali itu, Pak. Kadang-kadang anak itu nah sampai nangis-nangis minta nasi. Mana dapat nasi kita? Hutan sudah habis, sudah hancur. Di mana kita ngambil? Le malaise de Paontong est réel et sa peur de l'avenir s'accentue encore lorsqu'il ne peut plus protéger ses enfants d'une réalité qui les dépasse. Tapi rencana masuk lagi bikin sawit. Bikin sawit itu menghabiskan hutan itu. Paontong ne se trompe pas. Dans les provinces de Rio et de Jambé, les plantations ont déjà remplacé la forêt. Paontong ressent un sentiment d'impuissance et d'abandon. Les orangs rimba sont nomades et durant la journée, les femmes confectionnent les nattes qui les suivront dans leur quête du jornang. Thank you.
En attendant le toqué, la famille de Paontong n'a pas d'autre choix pour survivre que de manger des tubercules et des grenouilles. Lorsque vous demandez aux orangs Rimba pourquoi ils aiment vivre dans la forêt, la réponse est simple. Depan kalau kami ada kematian, itulah yang membaiki main itu di hutan itu. Tidak boleh dikuburkan, itu undang-undang kami. Tidak baik. Sejak di nenek moyang sampai sekarang ini, itu benar. Les corps des défunts doivent être placés dans les arbres. Mais comment faire lorsque les compagnies d'Île de Palme auront coupé tous les arbres? Bagaimana kami hidup? Itu kami pikir, kami besar. Mungkin. Dans la nuit du cinquième jour, Paontong vient me trouver inquiet. Sa famille vient de recevoir des menaces. Dia cerita kawan itu, sebenarnya besok pagi datang menerima utang. Kalau tidak bayar, dilunasi semua utang 4 juta itu, tidak dibunuhnya. Sebab terlalu, sudah lama utang itu, bilang dia. Sering terima ancaman seperti itu? Ya, sering. Sering begitu. Le lendemain matin, l'inquiétude se lit sur les regards, mais les orangs Rimba n'ont pas d'autre choix que d'attendre le toqué. Ils n'ont plus de riz depuis une semaine. Les orangs Rimba sont exploités et les toqués leur mentent. Le djornang est souvent échangé contre des vivres d'une valeur réelle bien inférieure au djornang. Mais face aux mensonges, les orangs Rimba pensent qu'ils ont des dettes, moyen de pression des toqués. En milieu de journée, un moteur se fait entendre. Le toqué arrive. Les deux hommes sont originaires d'une ville à 80 km de là. Ils assurent que les orangs Rimba ont une dette de 4 millions de roupies. C'est un mensonge.
Les orangs Rimba doivent se procurer du riz et ils finissent par sortir un à un des sacs contenant la pulpe de Jornang. L'ensemble peut être chiffré à plus de 6 millions de roupies. Les orangs Rimba n'auront en échange que quelques kilos de riz, des pâtes, du tabac et quelques dizaines de roupies, alors que la vraie valeur du Jornang leur aurait permis de vivre pendant plus de 6 mois. Ce n'est pas un cas isolé. La plupart des toqués profitent de l'innocence des orangs Rimba et continuent ainsi à les exploiter. Quelques heures plus tard, il est temps pour la famille de Paontong de repartir dans la forêt. Le peu de vivres donné par le toqué, c'est cela que Paontong rapportera à son frère. Toute sa famille souhaite partir au plus vite, loin des toqués et des pistes des compagnies forestières. Les huttes sont défaites et tout le monde se prépare pour une marche de plus de 10 km. Ils marcheront une partie de la nuit. Que vont devenir les orangs Rimba sans la forêt? Combien de temps encore devront-ils être exploités, tués, avant que nous réagissions? Je me souviens des histoires de Patampong, racontant que ses petits-enfants avaient été kidnappés, mais aussi de ma visite à Paontong lorsque son fils venait de mourir de dysenterie. Il n'avait pas d'autre choix, comme toute sa famille, que de boire une eau impropre à cause de la déforestation. Que vont-ils devenir?
Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.